C'est par des hommes armés que sont escortés les quelques convois d'aide qui entraient mardi dans la bande de Gaza par le poste frontière de Rafah. Les biens de première nécessité, comme ici denrées alimentaires ou carburant, se font rares malgré les distributions d'aide humanitaire qui restent très limitées. La population survit dans des conditions humanitaires catastrophiques et dans la crainte des bombardements de l'armée israélienne qui se poursuivent. Ces immeubles d'habitation du centre de Rafah ont été frappés mardi et le bilan est lourd. Il y avait là 8 bâtiments qui ont été détruits. Dans chacun vivaient 5 familles. Au total, c'est une quarantaine de familles qui se retrouvent à la rue. Mais quelles fautes ont-elles commises ? Pour le chef de l'agence d'aide aux réfugiés palestiniens de l'ONU, l'intensification des frappes et des combats a transformé la bande de Gaza en enfer sur terre pour la population. Côté politique, chose rare, le Premier ministre israélien s'est exprimé sur l'après-conflit. Je ne permettrai pas qu'après l'immense sacrifice de nos citoyens et combattants, nous laissions s'implanter à Gaza ceux qui enseignent le terrorisme, le soutiennent et le financent. Gaza ne sera ni le territoire du Hamas, ni celui du Fatah. Et Benjamin Netanyahou a ajouté qu'il y avait à ce stade un désaccord avec Washington sur cette question du jour d'après. Une divergence de taille au moment même où la Maison-Blanche a appelé Benjamin Netanyahou à changer son gouvernement, qu'il a qualifié de gouvernement le plus conservateur de l'histoire d'Israël.